السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم en cette soirée du mercredi 7 Dhul-Qa'da 1429 de l'Hégire, ce qui concerne avec le 5 novembre 2008 d'après le calendrier des chrétiens. Nous sommes toujours avec la personnalité de la musulmane, nous sommes au 41e cours. La fois passée, le dernier titre, c'était, nous avions parlé de ce titre, c'était elle n'était pas abusivement rigoriste en matière de religion. Non. Le titre d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est, non, avant de faire la révision, c'est 36e, ses habitudes sont conformes aux critères islamiques. 36e, ses habitudes sont conformes aux critères islamiques. Donc, la fois passée, nous avions parlé de, non, du fait que le musulman et la musulmane bien sûr n'étaient pas rigoristes en matière de religion, mais au contraire la musulmane et le musulman sont très souples et pleins de sagesse, surtout quand ils font la da'wa, et quand ils veulent propager cette religion aux gens qui ne la connaissent pas. Naam. Et rappelez-vous le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha qui disait, c'est un hadith authentique, il se trouve dans le Bukhari rahimahullah, volume 16, page 264, Fath al-Bari, où elle a dit radiallahu ta'ala anha, faqduru qadr al-jariyati الحديثة السن الحارسة على اللهو. نعم. عائشة رضي الله تعالى عنها ديزي فقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحارسة على اللهو. Elle a dit en ce sens, il faut que vous estimiez, نعم, vous estimiez, que vous donniez يعني la valeur à la jeune fille. الجارية, la jeune fille qui est يعني jeune d'âge, الحارسه على اللهو, qui voudrait beaucoup se distraire, qui aime beaucoup se distraire et plaisanter et jouer, etc. Ça marche bien sûr aussi bien avec la jeune fille qu'avec le jeune garçon. Il y a un certain âge où les enfants ont besoin de distraction. Seulement, il faudrait que ça soit dans le halal. L'islam n'a pas interdit la distraction et les plaisirs, mais il a interdit les distractions et les plaisirs qui sont, naam, illicites, qui sont illicites. D'ailleurs, vous avez vu la fois passée comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait deux fois la course avec son épouse Aïcha radiallahu ta'ala anha. La première fois, c'était elle qui l'avait vaincu, et la deuxième fois, c'était lui sallallahu alayhi wa sallam qui l'avait vaincu. Taïb. Aujourd'hui, 36e, ses habitudes sont conformes aux critères islamiques. Une musulmane dotée d'une connaissance parfaite des principes de sa religion
ne se soumet pas à toute coutume adoptée par les gens uniquement parce qu'elle est en vogue ou parce qu'elle fait partie d'un héritage social. Qu'une coutume soit moderne ou antique, qu'elle soit adoptée unanimement par les gens ou non, cela ne valorise en rien aux yeux de la femme musulmane. Seul son critère doit être la conformité aux préceptes de l'islam. Ce qui rend la chose licite ou pas licite, ce n'est pas le fait qu'elle soit en mode ou le fait que nos parents la faisaient et nos aïeuls. Jamais. Mais son seul critère, c'est quoi? C'est est-ce qu'elle est conforme, cette chose, est-ce qu'elle est conforme aux préceptes de l'islam ou bien n'est pas conforme. À ce propos, nous nous contenterons de citer deux mauvaises habitudes si largement adoptées que les gens dans les foyers musulmans s'étonnent quand on leur signale qu'elles sont contraires à l'islam. La première, c'est quoi? La première, la mauvaise habitude, habitude très répandue, au point où les gens s'étonnent si on leur dit que c'est haram. C'est quoi? La première est celle qui consiste à décorer les maisons de statuettes ou de figurations représentant des figures d'êtres humains ou d'animaux. La seconde, c'est quoi? La seconde mauvaise habitude est l'adoption de chiens domestiques. Nous allons, inchallah ta'ala, commencer par la première. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon dans les deux salons? Dans les deux salons, est-ce que le son est bon? Écris sur le Hitchater et sur le Patok. Écris mon numéro, inchallah. Alhamdulillah, zid ful Patok. Alhamdulillah. La première pratique, c'est-à-dire quoi? Le fait d'avoir des statuettes dans la maison, ou bien des figurations représentant des figures d'êtres humains ou d'animaux. On commence par la première. La première pratique est catégoriquement interdite par l'islam. On rapporte à ce sujet que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ceux qui produisent ces figurations subiront le châtiment au jour de la résurrection. On leur dira, qu'est-ce qu'on va leur dire le jour de la résurrection? On va leur dire: donnez vie à ce que vous avez créé. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Je répète le hadith: ceux qui produisent ces figurations subiront le châtiment au jour de la résurrection. On leur dira: donnez vie à ce que vous avez créé. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. On rapporte aussi que Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rentra un jour d'un voyage, alors qu'en son absence, j'avais caché l'un des recoins de ma chambre par un léger rideau orné de figurations représentant des êtres humains. Dès que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le constata, son visage changea de couleur. Il me dit alors: ô Aïcha, ceux qui subiront le châtiment le plus pénible au jour de la résurrection seront ceux qui auront tenté d'imiter Allah Azza wa Jalla dans sa création. Ensuite, ajoute Aïcha radiallahu ta'ala anha, nous déchirâmes le rideau et en fîmes un coussin ou deux. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, on remarque ici quoi? On remarque au moins deux choses. La première, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voit le haram dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Vite, il change, son visage change de couleur. Pourquoi? Si je puis dire, il n'aime pas voir la chose haram dans la maison. La chose haram dans sa maison, lui qui est messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui dit aux gens, il ne faut pas faire cette chose, lui qui est un modèle, et voilà qu'il y a une chose illicite dans sa maison. Donc, le fait que la personne, quand elle voit l'illicite dans sa maison, elle change la couleur de visage, c'est une chose non seulement illicite, mais conforme à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On remarque une deuxième chose, c'est quoi? C'est que le messager d'Allah,
alayhi sallam, essaye toujours, et c'est ça yani, un intérêt en islam, nous, il faut toujours essayer, comment si c'est possible, le haram, la chose illicite, au lieu de la jeter comme ça, on essaie de se débrouiller comment faire pour la rendre licite si on peut. Ici, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a vu des figurines sur d'êtres humains sur le rideau, a déchiré le rideau mais ne l'a pas jeté. Vous avez remarqué qu'il ne l'a pas jeté. On ne jette pas comme ça l'argent. On ne jette pas comme ça de l'argent dans la poubelle. Mais Aïcha a dit, nous en fîmes deux coussins. Maintenant, le rideau, c'est haram s'il contient des figurines. Le coussin, c'est halal s'il contient des figurines. Certains ont dit, pourquoi ils ont dit? Parce que dans ce cas, il n'a plus d'importance. Quand on se met dessus, on s'assoit dessus, on dort dessus, c'est pour ça que c'est devenu, yani, il a été avili. C'est pas comme c'est quelque chose comme ça, yani, qui est en face de nous. C'est quelque chose qui est au-dessus de nous. Et malgré cela, certains savants, comme Ibn Hajr al-Asqalani, rahimahullah, a dit que la vie, inshallah ta'ala, le plus juste, c'est que quand ils ont déchiré le rideau, il a été déchiré de façon à ce que il n'est plus devenu figurine. C'est-à-dire que la tête a été coupée. Comme maintenant, la tête a été coupée, il n'y a que le corps. Bien sûr, ce n'est plus interdit, comme vous le savez. On doit remarquer aussi autre chose comme intérêt dans ce hadith. J'ai une question à Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. On lui a dit, nos enfants à l'école, des fois, on les oblige à dessiner des choses, à dessiner une vache, à dessiner une brebis, à dessiner un mouton, à dessiner même un homme, une femme. Comment qu'ils font? Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a répondu, premièrement, si c'est possible, ils essayent de dessiner chaque chose séparée. Au lieu de dessiner un homme, je dessine sa main d'un côté, son pied d'un côté, et comme ça, sa poitrine d'un côté. Je ne dessine pas un homme à tout, yani, son corps attaché l'un à l'autre. Non. Sa poitrine de côté, sa jambe gauche à côté, le pied droit à droite, de l'autre côté, comme ça. On le détache. Il a dit maintenant, si bien sûr, ça ne va pas marcher. Car le professeur risque de dire, c'est pas ce que je t'ai demandé, ou alors te donner zéro, ou alors je ne sais pas quoi. Il a dit, dans ce cas, c'est qui? C'est le professeur qui a les péchés, et ce n'est pas l'enfant. Il a dit, c'est le professeur qui aura des péchés demain devant Allah Azzawajal, et non pas l'enfant. D'après, attendez où est-ce que j'étais? Un coussin. D'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah Azzawajal l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout peintre sera en enfer. Le mot de tout peintre, moi je préfère tout sculpteur. Non, tout sculpteur. Tout peintre, je ne sais pas si c'est comme ça dans le hadith. Si dans le livre c'est écrit tout peintre, non, ça risque de faire peur. Et ici, vraiment, tout peintre sera en enfer. Il a dit, chacune de ces représentations sera dotée d'une âme et se chargera de son châtiment. Abdullah ibn Abbas ajoute, si tu tiens à dessiner, dessine plutôt des arbres ou tout autre objet dénué d'âme. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Moussawir. Non, Moussawir et non pas Moussayir. Moussawir. Donc, le hadith a dit que chaque Moussawir, c'est-à-dire chaque peintre, ou bien chaque sculpteur, ça rentre aussi le peintre, bien sûr, qui peint quoi? Qui peint des choses où il y a des âmes. Des choses où il y a des âmes. Donc, tout peintre sera en enfer. Pourquoi? Chacune de ces représentations sera dotée d'une âme et se chargera de son châtiment. De son châtiment. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, nous a dit, si tu tiens à dessiner, si vraiment il faut que tu dessines, alors dessine plutôt des arbres ou bien toute autre chose dénuée d'âme. Et d'après Abu Talha, radiyallahu ta'ala, nous, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou une figuration. Les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou une figuration. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et moi, je pose une question.
si les anges ne rentrent pas, qui donc va rentrer dans la maison à la place des anges? Vous savez la réponse, hein? Vous l'aurez deviné, ce sont donc les démons et les shayatins qui vont rentrer à la place des anges. Non, tu as expulsé les anges de ta maison. Maintenant, il n'y a plus d'anges. Les démons vont profiter pour te tenir compagnie. Les textes concernant cette question sont multiples et s'accordent unanimement à interdire les figurations et les statues. Le temps a révélé le sens profond de cette interdiction, notamment à notre époque où les hypocrites et les arrivistes encouragent les tyrans et les dictateurs à persister dans leur tyrannie, concrétisant ainsi un certain fétichisme à travers des statues de leur vivant ou après leur mort, les représentant comme des divinités ou des semi-divinités. Ainsi, l'idolâtrie originale a été substituée par le culte de la personnalité. Substantiellement, cette pratique consiste à faire perdurer la tyrannie et à exalter l'injustice au détriment des déshérités qui en subissent les conséquences. Depuis près plus de 15 siècles, l'islam, en instaurant la doctrine de l'unicité d'Allah Azzawajal, a mis un terme aux idoles qui matérialisent le polythéisme. Autant il a combattu le paganisme sous sa forme primaire, autant il refuse son retour sous forme d'autres formes, autant il refuse son retour sous d'autres formes feutrées et inavouées. Que la vénération soit sous prétexte de perpétuer le souvenir de tel guide ou sous couvert de rendre hommage à tel artiste ou tel poète, la vénération concrétisée par les statues est condamnée par l'islam. Non, maintenant tu dis pourquoi vous faites la statue? Tu dis pour yani, ne pas oublier cette personne qui a fait de grands biens à l'humanité, etc. Donc, tout ça est condamnable en islam. La société musulmane est une société de tawhid, d'unicité. Elle ne vénère qu'Allah Azzawajal. Dans cette société, nul autre qu'Allah Azzawajal n'est digne d'être vénéré. D'où l'interdiction catégorique des sculptures représentant des êtres humains ou des animaux. Naam. Passons maintenant, Inch'Allah Ta'ala, naam, à la seconde mauvaise habitude. En l'occurrence, l'adoption des chiens domestiques. Notons de prime abord qu'il n'y a aucun mal à adopter un chien de garde, de berger ou de chasse. À ce sujet, on rapporte d'après Abdullah ibn Omar, qu'Allah Azzawajal l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui adopte un chien autre que le chien de chasse ou de berger, sa rétribution sera diminuée chaque jour de l'équivalent de 2 carats, a été rapporté par Bukhari Muslim. Donc celui qui adopte un chien autre que le chien de chasse ou bien le chien berger, sa rétribution sera diminuée chaque jour de l'équivalent de 2 carats. Vous savez ce que c'est 2 carats? Imaginez 2 fois la montagne de Uhud. Pour ceux qui sont partis au Hajj ou la Umra et qui connaissent la montagne de Uhud. Naam. La montagne de Uhud, si elle était pleine de hasanat, de bonnes actions et de bonnes œuvres, imagine, elle devient annulée. À cause du chien qui est à la maison, il annule chaque jour. C'est pas yani, pendant toute sa présence. Chaque jour, il annule l'équivalence de 2 carats, 2 fois la montagne de Uhud. Aïcha, notre mère, radiallahu ta'ala anha, a dit encore que Jibril alayhi salam, promit au messager d'Allah de le voir à une heure précise. Une fois, il lui promit de venir le voir à une heure précise. Mais l'heure arrivée, il ne vint pas. Comme un bâton qu'il avait à la main venait de tomber, il se pencha pour le récupérer en disant, yani le messager d'Allah, un bâton tombé de sa main, il s'est penché pour le récupérer en disant, ni Allah, ni ses messagers ne manquent à leur promesse. Ni Allah, ni les anges, c'est-à-dire, ne manquent à leur promesse. C'est-à-dire, comment se fait-il que Jibril alayhi salam n'est pas venu?
au rendez-vous. Et là, en se retournant, hein, pour prendre le bâton, il remarque un petit chien sous son lit. Il me demanda alors, qu'est-ce que ce chien s'est-il introduit dans la chambre? Quand est-ce ce chien s'est-il introduit dans la chambre? Par Allah, je n'en sais rien, lui répondis-je. Puis, il m'ordonna qu'on le fasse sortir. Et juste après, Jibril alayhi salam arriva. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu m'as promis de venir et je t'ai attendu, mais tu n'étais pas arrivé. Jibril alayhi salam lui répondit, le chien qui était chez toi m'en a empêché. Nous n'entrons pas dans une maison où il y a un chien ou une figuration. Hadith rapporté par Muslim. Voir Sharh Muslim, hein, Sahih Muslim, volume 14, page 81. Jibril a dit, nous n'entrons pas dans une maison où il y a un chien ou une figuration. Les textes concernant cette question sont multiples et s'accordent unanimement à interdire les figurants. On ressort donc que, hormis le chien de chasse ou de garde, l'adoption de tout autre chien est interdite par l'islam. De nos jours, nous constatons que certains musulmans et certaines musulmanes adoptent des chiens à l'occidental. Ils les entretiennent, prennent soin d'eux et les chouchoutent en leur consacrant des aliments, des toilettes et même des shampoings, ainsi que d'autres soins particuliers qui représentent toute une industrie en Occident et dont les frais atteignent des millions de dollars par an. Certains même font des mariages aux chiens. Ils invitent des gens, etc. Ils les marient. Et ils ramènent la chienne avec la robe blanche et ils les marient. Certains même, pire encore, font hériter des chiens. Il va chez le notaire et il écrit que tout ce qu'il a, hein, il le fait hériter à tel chien. Et bien sûr, il ne le fait pas hériter à un orphelin. Un orphelin, son voisin, qui a des orphelins ou là, qui est lui-même orphelin et qui n'a pas pour eux de quoi manger, il ne lui donne pas un euro, mais il fait hériter le chien. Cette habitude pathologique n'appartient aucunement au mode de vie islamique. Si en Occident, des considérations psychologiques liées principalement à l'absence du relationnel et au matérialisme dominant poussent ces citoyens à compenser l'affection humaine par l'adoption des chiens, cela ne doit en aucun cas inciter les musulmans à les imiter, car leur vie sociale est riche d'affection et de cordialité. Naam, eux les kofars, yani, c'est le matériel qui a tout remporté. Donc ils n'ont pas d'affection et ils ne trouvent même pas qui donner cette affection. Il ne reste que le chien. Le chien et le rat et le je ne sais pas quoi. Donc, naam, nous, on les imite pas. Nous, alhamdoulilah, notre vie est pleine d'affection. Je donne l'affection à ma femme, je donne l'affection à mes enfants, je donne l'affection à ma mère, je donne l'affection à mon père, je donne l'affection à mes frères, je donne l'affection à mon oncle, je donne, et comme ça. Non, eux, à 18 ans, classe, la fille, peut-être moi, à 16 ans, elle a quitté le foyer. Il n'y a plus d'affection entre elle et son père et sa mère. Le garçon a quitté, non, et après, non, il n'y a plus de relation. Seulement, une fois par an, on envoie des roses. Pour, hein, comment ça s'appelle, la fête de la mère, la fête du père, même une fois par an. Sinon, ils ne se connaissent pas. Même, ils connaissent qui? Ils connaissent les chiens. Ils connaissent les chiens. Il y a une autre mauvaise habitude sur laquelle nous voudrions attirer l'attention et qui est adoptée par certains musulmans aisés parmi les musulmans. Il s'agit quoi? Ça, c'est la troisième mauvaise habitude. Il s'agit de l'usage d'ustensiles en or ou en argent. Cette pratique est interdite de manière catégorique par l'islam, et ce, dans plusieurs hadiths. D'après Salama, radiallahu ta'ala anha, notre mère, l'une des épouses du messager d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui boit dans une coupe, celui qui boit dans une coupe en argent, ne fait que déglutir dans son ventre le feu de la géhenne, le feu de Jahannam. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. Dans une version rapportée par Muslim, il est dit, celui qui boit ou mange, celui qui mange ou boit
dans une coupe ou une assiette en argent ou en or, en argent ou en or, ne fait que déglutir dans son ventre le feu de Jahannam. Il rapporte aussi dans une autre version, celui qui boit dans une coupe en argent ou en or ne fait que déglutir dans son ventre une flamme de Jahannam. Tous les hadiths, bien sûr, sont sahih et rapportés par Bukhari Muslim. La musulmane doit donc se garder de ces interdits qui, par imitation aveugle des Occidentaux, sont devenus des habitudes dans certains milieux. Quel que soit le pays ou le milieu où la musulmane vit, elle doit constamment soumettre les coutumes de son entourage aux principes et aux valeurs de l'islam et n'en adopter que ce qui lui est conforme. Elle doit renoncer à toute coutume contraire à l'islam, que ce soit lors des cérémonies de fiançailles ou de mariage ou dans le mode de vie adopté au sein même du foyer familial. Les habitudes et les coutumes sont multiples et varient selon les pays et les peuples musulmans. On ne peut donc pas les aborder dans leur totalité pour juger de leur légalité ou leur illégalité. Cependant, la musulmane doit retenir que le seul critère qui détermine la validité d'une coutume est quoi? C'est sa conformité avec l'islam et non pas son expansion et le fait qu'elle soit propagée au sein de la société musulmane. C'est pour ça que le vrai musulman et la vraie musulmane, quand ils sont invités à des fiançailles ou à des cérémonies, si jamais elles ont des doutes sur la chose, elles posent des questions. Hein? Elles disent, pardon, je voudrais poser une question. Il y a ni cette cuillère que vous m'avez donnée, qui est comme ça jaune et qui brille un peu, est-ce que c'est une cuillère en or ou bien c'est quoi? Je voudrais poser une question. Ce verre que vous m'avez donné, est-ce que c'est un verre en argent ou bien en quoi? En quelle matière? Quand elle a des doutes, elle pose des questions pour ne pas quoi? Pour ne pas déglutir dans son ventre le feu de Jahannam. Le feu de Jahannam. 37e, vous écrivez 37e, elle n'est pas arrogante. Elle n'est pas arrogante. On me dit qu'il n'y a pas de sang dans le Ichater. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas de sang. On me dit qu'il n'y a pas de sang. Alhamdulillah. Ibn al-Qayyim, est-ce que vous m'avez entendu? Ibn al-Qayyim, est-ce que vous m'avez entendu quand j'ai parlé de la musulmane et le musulman quand ils sont invités dans le mariage, etc.? S'ils ont des doutes, ils doivent demander aux gens. Ils doivent demander, est-ce que c'est de l'argent, ou là c'est de l'or, ou là c'est quoi cet ustensile que vous m'avez donné? Vous avez entendu ça? On a entendu, alhamdoulilah. 37e, elle n'est pas arrogante. Une arrogante, vous savez ce que ça veut dire? Mutakabbira, mutakabbira. Non, mutakabbira, elle se croit, hein, elle se vante, elle se croit supérieure. Elle se croit supérieure par rapport aux autres. Une musulmane sincère et consciencieuse ne saurait être arrogante. Elle ne se montre jamais hautaine vis-à-vis des femmes qui lui sont inférieures, que ce soit en beauté, en richesse, en noblesse filiale ou en notabilité sociale. Elle sait en effet que traiter les gens avec arrogance est une pratique interdite qui prive du paradis, car sa religion le lui affirme de manière claire et explicite. Allah Azzawajal a dit dans le Coran, Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil-ladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Coran 28:83. C'est-à-dire cette demeure dernière, hein, c'est-à-dire le paradis, nous le réservons à qui? À ceux qui ne cherchent ni à être altiers, ni se montrer supérieurs sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux gens pieux. Il a dit aussi, وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. نعم، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. طيب. C'est-à-dire, ne détourne pas ton visage des hommes et ne marche pas insolemment sur terre, car Allah Azzawajal n'aime pas celui qui est présomptueux et vantard. Coran 31:18. Coran 31:18. Les hadiths
qui condamne les hadiths, hein, qui condamne l'arrogance et en mettent le croyant en garde, sont d'une multitude considérable. C'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tenait à éradiquer ce vice des âmes des croyants, en les incitant à s'en démarquer et en leur précisant que celui qui succombe à son emprise, fût-ce partiellement, sera privé du paradis dans l'autre monde. Ibrahim. Ainsi, Muslim rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a l'arrogance au cœur, ne serait-ce que le poids d'un atome, n'accédera pas au paradis. Alors un homme lui dit, certains d'entre nous aiment que leurs vêtements et leurs sandales soient beaux. Alors le prophète lui répondit, Allah est beau et il aime la beauté. L'orgueil, c'est le déni des droits d'autrui et l'injustice envers les gens. Voir hadith rapporté par Muslim, voir Sharh Sahih Muslim, volume 2, page 89. Je répète, le messager d'Allah a dit, celui qui a l'arrogance, non, celui qui a l'arrogance au cœur, kibr, ne serait-ce que le poids d'un atome, n'accédera pas au paradis. N'accédera pas au paradis. Alors quelqu'un lui a dit, Ya Rasulallah, certains d'entre nous aiment que leurs vêtements et leurs sandales soient beaux. Les vêtements et les sandales. Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, Allah est beau et aime la beauté. C'est pas ça l'orgueil et l'arrogance. L'orgueil, c'est le déni des droits d'autrui et l'injustice envers les gens. Haritha ibn Wahb, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, voudriez-vous que je vous indique les gens de l'enfer? Ce sera tout individu grossier, insolent, c'est-à-dire insolent et arrogant, mutakabbir. Hadith apporté par Bukhari Muslim. Je répète, voudriez-vous que je vous indique les gens de l'enfer? C'est qui? Tout individu grossier, insolent et arrogant. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'au jour de la résurrection, Allah Azza wa Jalla privera les arrogants, mutakabbirin, il les privera de son regard, de sa parole et de son pardon. Une punition assez humiliante que toute femme arrogante devrait méditer. Il a dit, alayhi salatu salam, au jour de la résurrection, il y a trois personnes à qui Allah Azza wa Jalla n'adressera pas la parole, ne les regardera pas et ne les purifiera pas de leurs péchés. Ils subiront plutôt un châtiment douloureux. C'est qui les trois? Le vieillard fornicateur, le roi menteur et le nécessiteux arrogant, mutakabbir. Hadith rapporté par Muslim. Voir Sharh Sahih Muslim, volume 2, page 115. On rapporte aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, au jour de la résurrection, Allah ne regardera pas celui qui, par arrogance, laissait traîner son panier par terre. C'est-à-dire celui qui s'habille, hein, par des hommes ici, qui s'habillent, qui mettent des pantalons, des chemises, des ceci, hein, qui descendent, hein, jusqu'à ce qu'ils traînent par terre, qu'ils descendent au-dessous des chevilles. La supériorité ne sied pas aux mortels, ces faibles créatures. Elle ne sied qu'à Allah Azza wa Jal, le créateur qui surpasse tout être en toute chose. Quand un humain s'arroge, s'arroge donc le droit de supériorité vis-à-vis de ses semblables, il commet une transgression à l'encontre d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Car il prétend rivaliser avec le Créateur suprême dans l'un de ses propres attributs. Car Allah Azza wa Jal, c'est lui le mutakabbir. Ce n'est pas les créatures. Mais Allah Azza wa Jal, le Créateur, c'est lui le mutakabbir. C'est un nom à lui propre, nam. Muslim rapporte à ce sujet que le messager d'Allah alayhi salatu salam a dit, Allah Ta'ala a dit dans un hadith Qudsi, qu'Allah Azza wa Jalla, il a dit, la toute puissance est mon panier et la supériorité est mon manteau. Quiconque me les dispute, je le châtierai. Hein? Je répète, Allah Ta'ala a dit, la toute puissance est mon panier et la supériorité est mon manteau. Quiconque me les dispute, je le châtierai.
Hadith, voir Sharh Sahih Muslim, volume 16, page 173, et voir aussi Bukhari, Adab al-Mufrad, volume 2, page 9. Donc, quiconque veut se montrer supérieur, hein, dans cette vie, ça veut dire qu'il dispute Allah Azza wa Jal dans l'un de ses attributs qui est quoi? Qui est la supériorité. C'est pour cela que, dans plusieurs hadiths, le messager d'Allah alayhi sallam met les croyants en garde contre tout sentiment ou comportement hautain, susceptible de les tenter dans un moment de faiblesse humaine, afin de les préserver des conséquences néfastes de cet abominable vice. Il dit dans un autre hadith, celui qui se donne des airs importants ou se pavane rencontrera Allah Azza wa Jal en colère contre lui. Hadith rapporté par Muslim. Voir Sharh Sahih Muslim, volume 16, page 141. Je répète le hadith. Celui qui se donne des airs importants ou bien se pavane quand il marche, commence à se pavaner, celui-là rencontrera Allah Azza wa Jal en colère contre lui. Allah Azza wa Jal nous en préserve. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le dars d'aujourd'hui. Il est court, mais c'est tout ce que je peux faire, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans les questions, dans 5 minutes, Inch'Allah Ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Remettez le Coran, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, donc, la première question de Mouahidine. Salam alaikum, bismillah, alhamdulillah, qu'Allah nous ait réunis ici et qu'Allah nous réunisse tous, fi al-Firdaus. Ma question, ma mère souhaite savoir s'il est permis de monter dans l'ascenseur seul avec un homme étranger, ou cela entre-t-il dans le hadith de la troisième personne qui est shaitan. Barakallahu fikum. Faddal Sheikh. Il a le shaitan qui est le troisième, et si jamais il se passe quelque chose, hein, personne ne peut savoir, donc des choses peuvent se passer. Mais s'il y avait une troisième personne, hein, rien ne peut se passer car la troisième personne est présente. Naam. Wallah Azza wa Jal a'lam. Atfadla Inch'Allah Ta'ala al-Prochain. Vous m'entendez, Inch'Allah? Vous entendez rien? Alhamdulillah. Donc la question, c'est la question de Adam 85082. On attend toujours la question. Voilà donc la question. Salam alaikum Shir, j'espère que vous allez bien. Est-il vrai qu'il est obligatoire à la femme, lorsqu'elle est en soujoud, que son front doit toucher directement le sol? Ne doit pas empêcher son front d'être en contact direct avec le sol. Cher, vous êtes avec nous, Inch'Allah. Inch'Allah, je vais répéter la question de Adam. Donc, c'est Salam alaikum, Cher. J'espère que vous allez bien. La question, c'est est-il vrai qu'il est obligatoire à la femme, lorsqu'elle est en soujoud, que son front doit toucher directement le sol, c'est-à-dire que son foulard ne doit pas empêcher son front d'être en contact direct avec le sol. Vous avez compris, cher Inch'Allah? Vous m'avez bien entendu? Avant de répondre, Inch'Allah Ta'ala, je fais deux petites remarques. La première, il faut pas faire, Inch'Allah Ta'ala, il faut pas perdre beaucoup de temps avant de poser la question. La question, Inch'Allah Ta'ala, il faut qu'elle soit prête. Dès que je termine, il y a la question qui arrive. Inch'Allah Ta'ala, on fait notre possible pour ne pas perdre de temps, pour passer le maximum de gens qui attendent, Inch'Allah Ta'ala. La deuxième, Inch'Allah Ta'ala, quand l'un de vous lit la question, il me donne vite le micro. Naam, il me donne vite le micro pour que je ne sois pas obligé de lui donner le raid pour que je prenne le micro. Jazakum Allahu khairan, barakallahu fikum. La réponse, Inch'Allah Ta'ala, c'est s'il n'y a pas d'homme avec la femme, d'homme étranger, qui sont en train de la voir, naam, quand elle se prosterne, elle fait son possible pour que ça soit le front qui touche. Car il y a un hadith, si vous connaissez, vous devez le connaître, des compagnons, radiallahu ta'ala anhum, qui disaient que quand il faisait vraiment chaud,
on était obligé de faire le sujoud comme ça sur notre vêtement, sur le qamis, etc. et de l'avancer pour faire le sujoud dessus. Les savants ont dit, donc il est makruh, il est déconseillé de faire le sujoud quand on a le front, il y a quelque chose entre nous et le parterre, sauf pour une daroura, quand on est obligé, beaucoup de chaleur, ou bien les hommes sont en train de voir les femmes, etc. Naam, elle ne peut pas comme ça montrer son front. Sinon, chaque homme et chaque femme fait son possible pour faire le sujoud sur le front. Naam. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tafadhal inshallah le suivant. Donc, Cheikh, nous avons une question qui nous est parvenue par rapport à un salon qui a ouvert, dans lequel il y a un frère qui donne des cours. Je vais donc vous dire le nom du salon, inshallah, vous allez me dire si c'est un bon salon. C'est Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhari. Ce salon-là, donc l'administrateur du site, du salon, c'est Sunan Durar Sunni. Voilà. Tafadhal Cheikh Biljawab, Inch'Allah. Wa alaykoum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Écrit numéro 1, Inch'Allah ta'ala, pour savoir que vous m'entendez. Naam, je reviens, Inch'Allah, sur la question que je viens de répondre. Naam, en ce qui concerne le front, on doit faire le sujoud sur le front, comme a dit le messager d'Allah, alayhi sallam, on devait faire le sujoud sur cette chose, et il a cité le front et le nez. Naam. Quant au front, qui doit toucher la terre, sauf bien sûr, s'il y a un empêchement, c'est surtout applicable aux hommes. Naam. Maintenant, je reviens pour dire, c'est surtout applicable aux hommes, beaucoup plus qu'aux femmes. Surtout la femme, quand elle a le foulard, par exemple, qui descend yani, presque à ses yeux, etc. Ce serait vraiment difficile yani, de le faire monter pour faire le sujoud. C'est pour ça que je reviens en arrière, je me recorrige. Je dis que c'est beaucoup plus applicable aux hommes que aux sœurs, que aux femmes. Car aux femmes, c'est vraiment difficile comment qu'elle va faire pour lever le khimar. Naam. Wallah Azza wa Jal a'lam. Wallah Azza wa Jal a'lam. Naam. Quant au salon qui s'appelle... comment qui s'appelle le salon? Inch'Allah ta'ala, répète dans le micro comment qui s'appelle le salon. Le salon, Cheikh, c'est Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhari. Et l'animateur, c'est Durar Sunni. Naam. Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhari. Et l'animateur... Dora Sunniya. Ce salon, il y a des frères, naam, des talibouin, qui sont fiables. Quand je dis fiables, ça veut dire thiqat. Ce ne sont pas des gens de la masse, mais des gens qui yani, font la quête de la science, naam, et ont entendu ce frère qui fait des dors dans ce salon, l'ont entendu dire, naam, on me l'a dit à moi, de bouche à oreille. Ils ont entendu dire qu'il est de ceux qui voient que les gouvernants musulmans de nos jours sont des kuffars. Ils voient que les gouvernants musulmans de nos jours sont des kuffars. Donc ce frère, ou bien cet homme-là, est un takfiri. C'est un takfiri. Et mieux que cela, il dit que Ahlus Sunnah ont divergé dans cette chose. Et lui, il choisit la vie qui dit qu'ils sont des kuffars, et il choisit par la vie de Abdullah ibn Abbas, le compagnon du messager d'Allah, que le messager d'Allah l'a enlacé et lui a dit et a demandé à Allah Ta'ala qu'il lui apprenne le tafsir Coran. Personne ne connaît le tafsir mieux, personne ne connaît l'interprétation du Coran mieux que Abdullah ibn Abbas. Il a cette faveur du doua du messager d'Allah. Personne ne connaît, et Abdullah ibn Abbas dit kufr duna kufr. Et ce n'est pas daif, c'est sahih, comme dit Cheikh Al-Albani, sahih, kufr duna kufr. Et pas seulement lui a dit ça, mais aussi d'autres sahaba. Donc ce salon, il faut l'éviter, c'est un salon de takfiriyin, et ceux qui sont rentrés m'ont dit aussi qu'il est plein de takfiriyin et plein de habesh.
C'est un salon à éviter et à mettre dans Da'wa Padok parmi les premiers salons pour ne pas que les gens s'égarent et pour préserver des gens, des fausses croyances et des innovations dans le minhaj et la aqida. Fadal le prochain. Donc la prochaine personne c'est Saoudia, Inch'Allah. Donc, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Une sœur de France pose la question suivante. Donc j'aimerais bien, Inch'Allah, mes frères et sœurs de ne pas être dérangés en PV, Inch'Allah. Je lis la question, après je reçois des PV. Patientez, Inch'Allah. Donc, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Une sœur de France pose la question suivante. Je suis mère de deux enfants vivant en France. Un frère d'Algérie m'a demandé en mariage en tant que co-épouse. Le souci, c'est que je l'ai annoncé à ma mère pour avoir son avis car mon père est décédé. Elle était très peinée. Et non, afoun, afoun. La sœur saoudienne, Inch'Allah, on va prendre la question sur Ichatar, après on revient à vous, Inch'Allah. Donc, en réalité, c'est à Salafia, Inch'Allah. Salafia, Inch'Allah, je vous ai enlevé le raid. Si vous voulez, Inch'Allah, poser votre question. Afounchir, c'est vrai qu'on reçoit trop de PV, Inch'Allah, les frères et sœurs. Quand on lit les questions, on en reçoit 2-3. Ça perturbe, Inch'Allah. Faites attention avec nous. Voilà la question, Cheikh. Donc, salam alaykoum, rahmatullah. Cher, concernant le mariage à la mairie, si un couple décide de divorcer civilement, sont-ils divorcés aussi envers Allah? Barakallahu fikum, hayakum Allah, qu'Allah vous accorde le firdaus. Amin. Voilà, Cheikh, tfaddal bil jawab, inshallah. Inch'Allah ta'ala, comme a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit, si un couple est marié seulement civilement, ils sont mariés. Et donc la même chose, Inch'Allah ta'ala, pour le divorce. S'ils ont divorcé entre eux, chez Allah Azzawajal, ils sont divorcés. Mais reste pourquoi? Reste la mairie pourquoi? Pour avoir des droits. Quelqu'un qui est marié avec les papiers, il a ses droits, il ne perd pas ses droits. Si la femme est enceinte, elle ne perd pas son enfant. Et comme ça. Et la même chose pour le divorce. Quand elle est mariée, il lui faut des papiers pour prouver qu'elle est mariée et pour avoir ses droits. Et comme ça. Sinon, elle va être lésée et risque de perdre beaucoup, beaucoup de ses droits. Allah Azza wa Jal a'lam. Fadlan, inshallah, le prochain. Inch'Allah, on retourne à la question de la Saoudia. Donc, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Une sœur de France pose la question suivante. Je suis mère de deux enfants vivant en France. Un frère d'Algérie m'a demandé en mariage en tant que co-épouse. Le souci, c'est que je l'ai annoncé à ma mère pour avoir son avis, car mon père est décédé. Elle a été très peinée au point que j'ai vu ses yeux briller de larmes. Car elle n'est pas pour la hijra. Elle a peur pour moi par rapport aux conditions d'être co-épouse. L'autre souci, c'est que ma mère est âgée et très malade. Donc, elle a besoin de soins médicaux en France et malgré elle, malgré le fait que j'ai des frères et sœurs et que je ne travaille pas, je suis quasiment seul à m'occuper de ma mère. S'il y aura mariage, je devrais partir en Algérie et je ne pourrai plus m'occuper de ma mère. Et elle se trouverait seule avec un minimum d'aide. J'aime ma mère, le cœur est lourd, cher. Vous qui êtes une personne de science, aidez-moi à trouver une solution pour ma mère, moi et le prétendant, Inch'Allah. Voilà la question, elle aurait pu se résumer, Inch'Allah, à deux phrases, trois phrases. Barakallahu fikoum de poser vos questions rapidement, Inch'Allah. On va traiter le Cheikh Bidjaoub. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On l'a dit plusieurs fois, Bidna Azzawajal, que pour la hijra, même si les parents ne sont pas d'accord, leur avis ne compte plus. Surtout si on a peur de tomber dans la fitna. Mais on avait accepté, on avait dit, sauf si on a un parent, par exemple, qui,
a vraiment, vraiment besoin de nous. Je vois ici que le cas de cette sœur saoudienne, Allahu ta'ala alam, que vraiment, si elle venait à partir, que sa mère, yani vraiment, serait lésée et que vraiment, elle serait avec un minimum d'attention et que, yani, ce serait vraiment déplorable pour elle. C'est pour cela que, si elle ne fait pas la hijra à cause de sa mère, jusqu'à ce que elle lui fasse une solution, Naam, Allah Azzawajal ne lui dira pas pourquoi tu n'as pas fait la hijra. Donc, elle pourrait, Naam, Allah Azzawajal alam, se marier, Naam, se marier en restant près d'elle, en restant près d'elle, jusqu'à ce que, Naam, elle lui fasse une solution, Naam, ou bien elle voit que maintenant c'est son père, qui, par exemple, son frère, ou là, par exemple, qui l'aide et qui subvient à ses besoins. Est-ce que vous m'entendez? On me dit qu'on ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc je disais qu'Inch'Allah Ta'ala, elle cherche Naam, au maximum à rester auprès d'elle, jusqu'à en se mariant auprès d'elle, jusqu'à ce que Naam, elle lui fasse une solution qui lui permettrait de s'éloigner d'elle pour faire la hijra. Allah Azza wa Jal a'lam. Fadal, Inch'Allah, le suivant. Donc, la question de Mouslimina. C'est à vous, Inch'Allah, je vous ai enlevé le raid. Allez-y, posez votre question sur le tableau. Mouslimina, vous êtes avec nous, Inch'Allah? Non, elle est passée. Non, elle n'est pas passée. En fait, si vous ne pouvez pas la passer sur le tableau, en PV, Inch'Allah. Ou alors couper là en trois fois. Sinon, donner la demi. Alhamdulillah. Donc la question, Cheikh, c'est la question du. C'est pour une autre sœur. Hein. Naam, il y a du son, Akhi Ibn al-Qayyim. Ibrahim, 1976. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un enfant âgé de 2 ans révèle à sa mère qu'il a subi des attouchements sexuels de la part de son père. L'enfant n'a été ni orienté, ni questionné. Il a dit cela spontanément. Cet enfant à l'époque ne vivait plus avec son père. Alors il vivait plus avec son père. La mère a donc interrogé le père qui a juré par Allah que cela est faux. Cet homme est malade. Psychologiquement, voire même peut-être possédé. Wallahu alam. Dans sa pratique, il est très faible au niveau de sa foi. Je voudrais savoir si la parole de l'enfant peut être prise en considération car l'homme dit que non en apportant la preuve. Si une personne jure par Allah, on doit le croire. Allah Inch'Allah. Wa'alaikum salam, rahmatullah wa barakatuh. Je préfère, Inch'Allah ta'ala, pour celui qui lit la question, Naam, de ne pas la lire par intermittence, mais d'attendre que la personne finisse sa question pour la lire. Sinon, on perd le fil entre les paragraphes comme ça. Naam, on perd le fil entre les paragraphes comme ça. Dans un cas pareil, Inch'Allah ta'ala, on devrait, bien azzawajal, croire le père. Naam, on devrait croire le père. L'enfant est jeune, n'est pas encore pubère. L'autre est âgé, pubère. Naam, plus que cela, il a juré par Allah. Et dans un hadith authentique, que le messager d'Allah, Isa alayhi salam, a vu quelqu'un en train de voler. Il lui a dit, tu voles? Il a dit, je jure par Allah que j'ai pas volé. Isa alayhi salam, il a dit, je démens mes yeux et je crois en Allah. Là, tu as juré par Allah que tu n'as pas volé. Là, donc, mes yeux ont menti. Et c'est toi qui as raison parce que tu as juré par Allah. Donc, on doit faire comme ça pour éloigner les ouswès, surtout quand ça vient d'un petit enfant comme ça. Wallah azzawajal a'lam. Tfadlan, inshallah, le suivant. Donc, la question sur le chatter. Question Humhuraira. À vous, Inch'Allah, je vous ai enlevé le raid. Non, posez votre question sur le tableau, Inch'Allah. Si vous ne pouvez pas, donc en deux fois, trois fois. Non, et la question n'est pas passée. Donc, Inch'Allah, essayez de la poser en PV.
Je vous ouvre un PV, Inch'Allah, et donc posez la question, Inch'Allah. Je ouvrez votre PV, Inch'Allah. Voilà, je l'ai, Inch'Allah. Voilà. Donc, salam alaikum, Cheikh. Ma question est la suivante. En ce qui concerne le fait qu'il est interdit en islam de couper les liens de parenté, qu'en est-il lorsque les parents sont des koufars? Je suis converti. Et surtout, lorsque ceux-ci insultent la religion d'Allah, me poussent à l'abandonner et font tout pour me pousser au péché. Ils refusent de me voir avec le jilbab, boivent de l'alcool en ma présence, etc. Ai-je le droit d'accepter leur cadeau d'anniversaire et de Noël, bien que je m'efforce de ne pas fêter cela avec eux? Barakallahu fikum, wa jazakumullah khaira, qu'Allah vous préserve. Amin. تفضل الشيخ إن شاء الله بالجواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Les parents, même s'ils sont des kuffars en islam, on doit garder le lien de parenté. Comme dans le hadith de Esma, la sœur de Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que sa mère qui était une kafira, car vous savez que Esma, la sœur de Aïcha, n'a pas la même mère que Aïcha. La mère de Aïcha s'appelait Umm Rumman et était musulmane. Et la mère de Esma était une kafira, je ne connais pas son prénom. Et le Mohim, elle a dit au messager d'Allah, il y a ma mère qui me demande l'argent, etc., qui veut les liens avec moi, est-ce que je les rends ou pas? Il a dit, ne les rends pas. C'est-à-dire, il a employé le verbe du contraire que je ne connais pas maintenant. Il a dit, c'est-à-dire, fais les liens avec ta mère qui est venue en tant que kafira te demander de l'argent. Donc toi, Inch'Allah ta'ala, tu laisses les liens avec tes parents et ce n'est pas obligé d'être chez eux quand ils boivent de l'alcool, etc. On peut garder les liens seulement en téléphonant, par exemple, ou en allant de temps en temps chez eux quand il n'y a pas l'alcool, etc. Naam. Ou bien en envoyant des lettres, en envoyant des mails, et comme ça. Naam. Ce n'est pas le fait de garder les liens, d'être yanné avec eux, yanné tout le temps. Et deuxièmement, les cadeaux qui viennent à l'occasion de l'anniversaire et à l'occasion de la Noël, etc., même, on ne doit pas les accepter, mais s'ils arrivent, on s'en débarrasse. On s'en débarrasse, mais il n'a azzawajal. Ce n'est pas obligé de dire je n'accepte pas et de leur dire pourquoi vous m'envoyez, mais on s'en débarrasse en les donnant comme ça à des gens, etc., sans leur dire d'où c'est provenu. Wallah azzawajal a'lam. Tfadal, inshallah, le prochain. Donc, il y avait sur la liste le frère Abdallah 06000. Donc, j'avais déjà sa question en PV, même si il n'est plus sur la liste. Alors, il a passé son tour au frère Qalam, Qaloun, je veux dire Afoun, Qaloun. Donc, la question, Cheikh, c'est Salam alaikum, Cheikh, un frère et une soeur. Oh, un frère et une sœur ayant 3 enfants sont divorcés. Inch'Allah, vous pouvez laisser-les après, Inch'Allah. Je lis la question, Inch'Allah, et après, chacun son tour, bi'idhnillah, et on vous demandera de poser vos questions. Donc, un frère et une sœur ayant 3 enfants sont divorcés. Un seul divorce entre eux. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, ils veulent se remarier. Le problème est le suivant. Le père de la fille ainsi que les frères de la sœur sont très loin de dîn, de la religion. Et certains d'entre eux ne se considèrent pas musulmans, qu'Allah nous en préserve. Ils ne font pas salat et le frère et la sœur considèrent le tariq, salat kafir, donc ils ne peuvent être tuteurs pour eux. C'est pourquoi, il y a quelques années de cela, lorsque le frère et la sœur se sont mariés, c'est le grand-père maternel qui a été le tuteur à défaut de trouver tout autre tuteur. Le frère et la sœur souhaitent se remarier pour leur intérêt et l'intérêt des enfants. Donc, la mère de la fille est d'accord, mais aujourd'hui, le grand-père n'accepte pas le mariage car il ne veut pas d'un frère salafi. Le frère et la sœur demandent comment peuvent-ils se remarier selon les enseignements de l'islam. La sœur peut-elle être wali de sa propre personne, comme dans certaines paroles de savants marjoua.
Subhanallah. Peuvent-ils faire appel au grand frère du grand-père maternel, mais celui-ci craint d'avoir des problèmes avec son frère, le premier grand-père maternel, s'il intervient? Comment le mariage, sachant que du côté paternel, personne ne peut être tuteur? Barakallahu fikoum, cher. Inch'Allah, si vous avez compris la question, je vous laisse le micro, Inch'Allah. Alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez, inshallah ta'ala? Puis saut. J'attends que vous. Naam. Alhamdulillah. Tayyib, comme vous devez le savoir, inshallah ta'ala, que, yani, en islam, on doit suivre certaines règles en ce qui concerne les tuteurs. Naam. Ce n'est pas nous qui choisissons qui on veut. Mais on doit choisir par ordre le tuteur, naam, jusqu'à ce qu'on arrive à celui qui est vraiment le tuteur. D'abord, pour ceux qui disent que celui qui ne fait pas la salat est kafir, donc dans ce cas, si le père, par exemple, ne fait pas la salat, il est devenu kafir chez cette personne, et par conséquent, ne peut pas quoi? Ne peut pas faire yani, l'acte de mariage parce qu'il ne peut pas être le tuteur. Donc, en islam, on commence par le père. Si ça ne marche pas, on va au grand-père, paternel toujours, pas le maternel. Si ça ne marche pas, on voit le fils. Si la femme est mariée, elle voit son fils. Si ça ne marche pas, ça va au petit-fils. Si ça ne marche pas, et le petit-fils, bien sûr, de la fille, pas du garçon, elle est paternelle. Si ça ne marche pas, on va au frère, le frère consanguin. Si ça ne marche pas, on va au frère paternel. Si ça ne marche pas, on va au fils du frère, consanguin. Sinon, on va au fils du frère du père. Sinon, neuvièmement ou le huitièmement, on va à l'oncle du père et du mère à la fois. Sinon, c'est seulement l'oncle paternel, pas le maternel. Sinon, le fils de l'oncle des deux côtés. Sinon, le fils de l'oncle paternel. Là, maintenant, si on n'a pas trouvé, la femme n'a pas trouvé qui l'a mariée, tous ils sont des kofars, ou là ils sont pas là, ou là ils sont morts, ou là je ne sais pas. C'est qui? Donc c'est le juge musulman qui va la marier. C'est le juge musulman qui va la marier. Naam. C'est dommage pour cette sœur qui voit que celui qui ne fait pas la salat est kafir, car elle vient de se mettre vraiment dans quoi? Dans un problème difficile. Naam. Elle vient de se mettre dans un problème difficile. Donc, d'après les gens que je viens de citer, elle voit qui d'eux n'est pas kafir et qui d'eux accepte de lui faire l'acte. Sinon, elle descend jusqu'à ce qu'elle arrive au dernier que je viens de citer. Mais elle n'a pas le droit de sauter. Elle n'a pas le droit d'aller, par exemple, directement au fils avec, ou là au frère, avec la présence du père ou là du grand-père. Et comme ça. Mais jamais une femme ne peut être yani, le wali d'une autre femme pour la marier. Jamais une femme en islam ne peut marier une femme, dans tous les cas. Non, dans tous les cas. Tfadla, inshallah ta'ala, le prochain. Inch'Allah, donc c'est Abou Salman. C'est à vous, inshallah, je vous ai enlevé le raid. Posez votre question sur le tableau, inshallah. Donc. La question, inshallah. Salam alaikum, Shir. Un frère m'a remis un carton d'invitation avec un mini Coran dedans. Ce frère se marie avec une convertie. Lui est-il permis de remettre ce carton à des mécréants en sachant qu'il contient un Coran? Tfaddal, Shir, biljaoub, inshallah. Jazakumullah khair. En fait, je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce que ça veut dire mini? Mini Coran, ou là, qu'est-ce que ça veut dire mini? Attends, je vais dire. Un frère m'a remis un carton d'invitation avec un mini Coran. Bon, un mini Coran, c'est un petit Coran. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire ici. Carte d'invitation avec un Coran. C'est une boîte avec un Coran à l'intérieur. Naam. Et ce Coran, on va le donner à qui? Est-ce qu'on va le donner à un kafir? Est-ce qu'on va donner ce Coran à un kafir? Naam. La réponse, naam. Il y a un hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que il ne faut pas voyager dans un pays de kuffar avec le Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, on risque de
yani de l'humilier, de l'écraser avec les pieds, etc., etc. Ensuite, les savants ont dit, mais maintenant que le Coran lui-même, non seulement on ne lui fait rien dans les pieds de coffre, mais mieux encore, des fois on l'imprime là-bas, en France, en Angleterre, en Allemagne, hein, il y a des imprimeries où on imprime le Coran. Donc ils ont dit, et comme dit le Qaïda, comme dit la règle, il y a zèle al-moujib, zèle al-moujib. Et comme dit la règle, le hukmu, il y a d'oulou ma'al-idla, ils disent, puisque la chose a changé, donc le jugement a changé. Donc, se basant sur cela, on va dire, ce kafir à qui on va donner le Coran, est-ce qu'on le connaît et on sait qu'est-ce qu'il va faire avec, il veut lire, etc., pour apprendre le dîn. Sinon, c'est interdit de lui donner le Coran, parce qu'il ne sait pas ce que c'est, il va le jeter, il va s'en moquer, il va. Donc on va voir qui c'est ce kafir, et est-ce que c'est lui qui a demandé le Coran pour qu'il apprenne, pour qu'il sache ce qu'il y a, pour qu'il lise, etc. Non. Sinon, comme j'ai dit, c'est interdit. Ah, s'il est seulement en arabe et que le kafir ne comprend pas l'arabe, non. Donc c'est interdit de leur donner le Coran. C'est interdit de leur donner le Coran, car on n'attend rien de lui. Il ne connaît pas l'arabe, il ne peut pas lire, ni méditer, ni rentrer en islam. Il risque même de faire le contraire. Non. والله عز وجل أعلم تفضل سبيبا Donc, Inch'Allah, on a posé deux questions sur. Tu confirmes le Yahri Ibn al-Qayyim. On a posé deux questions sur Paltok. Maintenant, c'est Inchatter. On demande en ce qui concerne quand une femme monte dans l'ascenseur en tête à tête avec un homme, mais hein, si dans le cas où elle a des enfants avec elle, est-ce que c'est toujours interdit ou ce n'est pas interdit? La réponse, Allah Azza wa Jal a'lam, bien sûr, s'il y a une autre femme, c'est déjà, ce n'est plus interdit parce qu'ils sont trois. Non. Mais si maintenant il y a des enfants, on va voir les enfants s'ils ont atteint l'âge où ils sont conscients de ce qui se passe. Au point où, s'ils sont passés quelque chose entre cet homme et cette femme, ils sont au courant. Ils savent ce que c'est. Ils peuvent dire aux gens, peuvent dire au père, peuvent dire, non. Dans ce cas, Allah Ta'ala a'lam, ce n'est plus interdit. Mais s'ils sont à bas âge, au point où ils ne peuvent pas remarquer ce qui se passe et ne peuvent pas, yani, ne prêtent pas attention à ce qui se passe, c'est interdit. Pourquoi? Si l'enfant est de bas âge, il a 5 ans par exemple, il a 4 ans ou là, il ne remarque pas par exemple que l'homme par exemple a fait un clin d'œil à la femme ou bien qu'il lui a dit quelque chose, lui a donné son numéro au téléphone, des choses comme ça. Il ne peut pas remarquer, il est très jeune. On lui donne un bonbon, il ne sait pas ce qui se passe. Mais s'il est assez âgé, peut-être 7 ans, 8 ans, 10 ans, il sait ce qui se passe, etc. Là, Inch'Allah ta'ala, ça ne devient pas du tête à tête. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadal Inch'Allah, le suivant. Inch'Allah, donc c'est au tour de Salafia 31 sur Ichata. Posez votre question, Inch'Allah. Salafia 31, vous êtes avec nous, Inch'Allah, dans le salon. Sinon, on passe au suivant, Inch'Allah. Salafoverblog.net, à vous, Inch'Allah, si vous avez la question prête, posez-la sur le salon. Salamu alaikum. Un musulman qui a commis un péché, l'usure, yani riba, crédit pour un appartement. Il savait que c'était haram. Maintenant, il souhaite faire son repenti et souhaiterait faire son hajj. Il s'est pas acquitté de sa dette. Il paie tous les mois. Yani, il a acheté un appartement à crédit. Et donc, cet appartement-là, il n'a pas fini de rembourser les crédits avec les agios, avec riba. S'il vend l'appartement, ça remboursera son crédit ou pas? Peut-il faire donc le hajj, sachant qu'il fait un gros péché et son repentir? Qu'en est-il, Inch'Allah? La question est terminée, Inch'Allah. Vous mettez un, si c'est fait. Alhamdoulilah. Je répète la question, cher, rapidement. Un musulman qui a commis le péché de riba en achetant un appartement à crédit, tout en sachant que c'était haram, maintenant, il souhaite faire son repentir et souhaite faire le hajj. Il ne s'est pas encore acquitté, yani le crédit marche encore. Et donc, peut-il faire le hajj?
sachant qu'il a fait donc un gros péché et, et si son repentir est acceptable. Voilà, cher. Inch'Allah. Il faut dire que faut bien remarquer ce qui va ce que je vais dire inshallah ta'ala et la différence inshallah ta'ala entre les deux choses que je vais dire. Quand quelqu'un ne savait pas que telle chose était illicite et il l'a fait. Non, il l'a fait. Et par exemple, supposons il vend des choses qui sont illicites, il savait pas. Et il a gagné beaucoup d'argent. Ensuite, il a appris. On lui a dit, vendre par exemple des perruques, c'est haram. On lui a dit, il dit, Wallah, je ne savais pas que vendre des perruques, c'était haram. Cette personne, tout l'argent qu'elle a fait rentrer, non, tout l'argent qu'elle a eu en vendant des perruques, est halal pour elle. Est halal pour elle. Licite. Pourquoi? Parce que quand elle vendait, elle ne savait pas. Maintenant, dans le deuxième cas, quand quelqu'un sait que vendre des perruques est haram, par exemple, et il va vendre des perruques, tout l'argent qu'il va faire rentrer, s'il veut faire le repentir, il doit s'en débarrasser en les donnant aux nécessiteux, etc. Vous avez remarqué la différence entre quelqu'un quand il fait une chose et il sait que c'est illicite et quand il ne sait pas. Non. Et premièrement. Deuxièmement, maintenant, si le frère, puisqu'il savait déjà, hein, qu'il veut faire le repentir, qu'il le fasse. Il doit le faire dès maintenant, bien sûr, il doit le faire, même s'il est en train de payer, s'il est en train de payer l'usure. Car quand quelqu'un fait le repentir, normalement, il ne paye plus les dettes qui sont illicites, comme l'usure. Sauf si quoi? Sauf s'il se trouve contraint. On l'a obligé, on va l'emmener en prison, etc. Donc il est obligé de payer. Sinon, si quelqu'un, par exemple, fait le repentir. Ensuite, quelqu'un lui dit, tu te rappelles pas de moi, je t'avais donné un paquet de cigarettes, tu devais le payer, tu ne me l'as pas payé. L'autre, il ne doit pas le payer parce qu'il a fait le repentir. Mais si jamais il l'oblige, je lui dis, je vais t'emmener en prison, etc., il le paye parce qu'il est dans la daroura, il est dans l'obligation. Donc je dis à ce frère, il faut qu'il fasse le repentir et bien sûr, le hajj n'a rien à voir avec son argent. Le hajj, c'est quoi? C'est tourner autour de la Kaaba, c'est Safa et Marwa, c'est Nahr, ça n'a rien à voir avec cet argent. Cet argent, s'il va avec cet argent au hajj, il aura des péchés. En ce qui concerne l'argent et le hajj, il est séparé. Le hajj, s'il le fait bien, il est sahih, il est valide. Quant à l'argent qu'il vient d'avoir de l'usure alors qu'il savait, cet argent est haram jusqu'à ce qu'il fasse le repentir bi-idhnillah azza wa jal. Naam. Fadal inshallah le suivant. Donc la question de Salafia 31. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Un couple qui a un enfant avant le mariage halal. Alors, un couple qui a eu un enfant avant le mariage halal, cet enfant est-il l'enfant du père ou l'enfant adoptif du père? Je sais qu'il n'hérite pas de lui. Comment faire? Peut-on faire un testament dans ce cas? Il faut se marier à la mairie et passer devant un notaire, un legs. Alors, pour que cet enfant puisse avoir un héritage, le couple a fait halal depuis. Jazakumullah khair, cher. Donc, si, le mariage. Yani, l'enfant, il était avant le mariage, cheikh. On a trop de cheikh, Béjaoui, Inch'Allah. Vous remarquez que ce n'est pas comme autrefois quand je répondais, je prenais beaucoup de temps et je donnais beaucoup d'aide, etc. Parce que maintenant, ceux qui me connaissent bien savent quel est mon état de santé. Et d'autre part, parce que ce sont des questions auxquelles j'ai répondu des fois et des fois et des fois et des fois. Non, c'est pour ça que je réponds très vite, Inch'Allah Ta'ala. Je dis, Inch'Allah Ta'ala, très vite, non, cet enfant ne peut être jamais l'enfant du père, c'est l'enfant de la mère, c'est tout. Hein? Si la mère meurt, il hérite d'elle. Et si lui, l'enfant meurt et a des biens, sa mère hérite de lui. Mais pour le père, c'est un étranger. Pour le père, c'est un étranger. C'est pour cela que jamais il ne pourra devenir
l'enfant du père. Si maintenant sa mère, l'âme, sa mère veut lui écrire quelque chose, elle ne peut pas faire le testament. Pourquoi? Parce que on ne doit pas faire en islam, on ne doit pas faire en islam un testament à quelqu'un qui va hériter. Elle ne peut pas faire un testament à quelqu'un qui va l'hériter. Elle peut faire un testament à qui? À quelqu'un qui n'hérite pas. Donc pourquoi faire un testament à quelqu'un qui va l'hériter? Comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est quoi le géniteur? J'ai pas compris cette question. Il est qui le géniteur? Il est quoi le géniteur? J'ai pas compris cette question. Un testament ou un don de son vivant? Naam. Il est qui? Il est quoi le père? C'est le père biologique. Cet homme est son père biologique. Ce n'est pas son père, son vrai père. Consanguin, si je puis dire. Naam. Celui-là, c'est son père biologique. C'est le père. Ce père, s'il veut, il fait un don à cet enfant. Il peut. S'il veut, il fait un don à cet enfant ou là, un testament. Ou là, pourquoi? Parce que c'est un étranger pour lui. C'est seulement un père biologique. Il peut lui faire un testament ou bien un don. Naam. Si la mère veut donner quelque chose à cet enfant de son vivant, elle peut aussi. Il l'appelle papa. Naam, il l'appelle papa, mais en fait, ce n'est pas son père. En fait, ce n'est pas son père chez Allah Azza wa Jal. Naam. Fadal, inshallah, le prochain. On passe à Paltop, inshallah. Donc, j'enlève le raid au frère Abdel Malik, 83 550, inshallah. C'est à vous de poser la question. Salam alaikum, Shir. Inshallah, si la question est terminée, vous mettez 1. Barakallahu fikoum. Alhamdulillah. Salam alaikum, Shir. Le consulat d'Algérie à Nice demande à un frère des photos d'identité pour ne pas qu'il fasse le service militaire, car il a fait la hijra en Algérie, mais il lui demande une photo sans barbe. Et lui, il porte la barbe, mais le photographe peut lui trafiquer la photo afin de lui effacer la barbe sur la photo. Est-ce que cela est permis? Barakallahu fikoum. Voilà, Cheikh Tadal Bijaoub. Jazakallah khair. Naam. Alaykoum salam. Si quelqu'un nous demande une photo sans barbe, naam, pour le passeport, etc., justement, la solution, c'est de la faire effacer avec le micro, etc., et de ne pas se raser la barbe. Si vraiment on se trouve dans l'obligation de donner une photo sans barbe, je dis l'obligation, passeport pour faire le hajj, pour faire ceci, naam, et il ne reste la solution que ou bien se raser, ou bien quoi, se faire effacer la barbe par le micro-ordinateur. Donc, le moindre mal, c'est de ne pas avoir de barbe virtuelle, seulement dans le micro, et de garder sa vraie barbe. Wallah Azza wa Jal alam. Atfadla le suivant. Donc, le frère muslim 620, c'est à vous, Inch'Allah. Posez la question directement, Inch'Allah, vu qu'il y a deux salons. On va lire la question, Inch'Allah. Quand la question est terminée, mettez 1, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Inch'Allah, si vous avez donc vous êtes invité dans un autre salon ou alors on vous envoie des PV, n'hésitez pas à nous le signaler. Inch'Allah. Salam alaikum, Shir. Je vais faire un commerce de voitures, achat et vente. On me dit de ne pas faire de réparation dessus. Mécanique. Et est-ce que je peux le faire de temps en temps? Et suis-je obligé de déclarer toutes les voitures pour payer les impôts, c'est-à-dire par rapport au chiffre d'affaires qu'il a, cher. Ça veut dire, cher, c'est pour pas payer les impôts, il déclare pas tout. Il y en a tout ce qui le gain, il déclare pas tout, alors le nombre de voitures pour pas payer beaucoup d'impôts, inchallah. Voilà, cher, jazakumullah khair. En fait, en islam, il n'y a pas ce qu'on appelle payer les impôts. C'est pour ça qu'on dit les savants que yani, il faut voir que comment yani, ne pas payer yani, tous les impôts,
sans mentir. C'est-à-dire, par exemple, ne déclarer que certaines choses, sans dire que j'en ai pas d'autres. Car les impôts, il n'y a pas en islam, surtout les impôts, sur les musulmans, sur les choses des musulmans. Quant à, est-ce que je peux faire des réparations mécaniques sur les voitures que je vais vendre? Si tu vends des voitures qui sont neuves, tu ne dois pas faire de réparation, sauf si tu dis au client qui va acheter, attention, j'ai changé telle ou telle chose. Maintenant, si la voiture est occasion, tu la vends en occasion, elle n'est pas neuve, tu peux faire changer les choses pour que tu enlèves les choses qui ne sont pas bien et les changer avec de nouvelles choses. Au contraire, ça, c'est mieux pour vendre des choses qui plairaient aux clients. Sauf si ce sont des choses qui le client ne sait pas. Dans ce cas, on doit lui dire, j'ai changé telle ou telle chose. Par exemple, tu dis au client que j'ai refait le moteur, j'ai refait telle chose. Si tu sais que, si le client ne savait pas, il serait induit en erreur, il n'aurait pas acheté. Dans ce cas, on lui dit, voilà ce qu'on a changé, pour ne pas le tromper. Allah Azza wa Jalla alam, tafaddal le fuit. Inch'Allah, on passe à Ikater. Donc c'est la sœur Oum Youssef 78. À vous de poser la question, Inch'Allah. Je vous ai enlevé le raid. Si la question passe pas, est-ce que vous êtes avec nous, Oum Youssef 78? Vous êtes là? Salafia, vous êtes avec nous, Inch'Allah? Tapez un sur l'écran si vous avez. Si vous êtes avec nous, Inch'Allah. Subhanallah, on perd du temps, les frères et sœurs. Oum Youssef 78, donc elle est pas là. Salafia, vous êtes là ou pas? Mais tapez un si vous êtes là, Inch'Allah. D'accord, alhamdoulilah. Donc, Oum Youssef 78, posez votre question. Maintenant, vous n'avez plus le raid. Non. Allez-y, Inch'Allah, pour ne pas perdre de temps. Quand vous terminez la question, Inch'Allah, mettez un, comme ça on sait. Barakallahu fikoum. Alhamdulillah. Salam alaykoum wa rahmatullah, Cheikh. Que doit-on dire dans ce jour de shukr? Voilà, Cheikh. Jazakumullah khair. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, je ne connais pas un hadith qui montre exactement ce qu'on doit dire dans ce jour de shukr. Je ne connais pas un hadith qui dit ce qu'on doit dire exactement dans ce sujet de choc. Et je ne connais pas un hadith qui dit même qu'on dit. On dit quelque chose dans ce sujet de choc. Moi, à chaque fois que je fais ce sujet de choc, je dis par exemple Alhamdulillah, ou là je dis Alhamdulillah, ou telle chose. Et je ne connais pas un hadith qui dit exactement ce qu'on doit dire, ni qui dit qu'on doit dire. Là, moi je le fais comme ça, pour pas peut-être m'imiter. Mais je ne connais pas un hadith qui dit qu'est-ce qu'on doit dire, ni qui dit qu'on doit dire. Wallah Azza wa Jal a'lam. Naam, l'essentiel c'est le sujoud. Naam, l'essentiel c'est le sujoud. Ce n'est pas ce qu'on dit dans le sujoud. L'essentiel c'est d'avoir fait le sujoud. Naam. Tfaddal inshallah le suivant. Donc on passe autour de Salafia. À vous inshallah poser votre question. Vous n'avez pas le raid non plus. Allez-y. Normalement, vous n'avez plus le raid. Alhamdulillah. Vous mettez un, Inch'Allah, quand c'est terminé. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve et vous rajoute de la science. Amin. Une sœur demande. Un homme a-t-il le droit de répudier sa femme car elle a haussé la voix sur lui? Est-il pardonnable? Inch'Allah. Donc, cher, je vous rappelle qu'il est 23h aussi. Barakallahu fikoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Répudier une femme parce qu'elle a haussé la voix sur son mari rentre un peu dans l'exagération et le rigorisme qu'on a vu la fois passée. Non, vraiment, ça rentre dans l'exagération. Naam, car peut-être qu'il n'y a pas une femme dans le monde qui n'a pas osé au moins une fois sa voix sur son mari. Naam. Maintenant, si à chaque fois que la femme osait la voix, on va la divorcer,
Alors dans ce cas, il n'y aurait plus de couple, il n'y aurait que les hommes et les femmes de l'autre côté divorcées. Et si on doit pardonner aux gens quand ils font des fautes et on ne doit pas s'énerver, on doit se contenir et contenir sa colère comme dans les versets et dans les hadiths, c'est bien d'abord envers sa femme qu'on doit appliquer cela. Car on se marie avec une femme pour vivre avec elle des années, 30 ans, 40 ans, 50 ans, avoir des enfants, une famille, ensuite une société. Alors comment cela serait-il permis si maintenant à chaque fois que la femme hausse un peu la voix, on lui dit tu es divorcé? Ça ne s'est jamais vu, ni chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ni chez les compagnons qui se divorçaient à cause de la femme hausser sa voix. Si quelqu'un l'a fait, des compagnons, si quelqu'un l'a fait, au moins le messager d'Allah ne l'a pas fait. On lui disait des choses qui ne lui plaisaient pas, il partait un mois loin d'elle, il s'énervait, on lui demandait d'ajouter dans les dépenses, etc. Il s'énervait, etc. Mais jamais il ne divorçait, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'une femme a haussé sa voix. Non, ce n'est pas connu dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais vous dire, comme a dit mon frère, qu'il est 23 h, qu'aujourd'hui j'ai fait un long voyage et que au-dessus de cela je n'ai pas encore dîné. Je vous donne rendez-vous, inshallah ta'ala, samedi dans le trust de la Aqidah. Que Allah Azzawajal vous préserve, vous guérisse si vous êtes malade, vous marie si vous n'êtes pas marié, vous rendez à vos maris si vous êtes divorcé, si c'est votre souhait bien sûr, sinon que Allah Azzawajal vous marie avec d'autres, qu'il préserve vos enfants, qu'il fasse la bénédiction sur votre science et vos biens, et qu'il unisse nos cœurs dans le fait d'adorer Allah Azzawajal et son adoration et son obéissance, qu'il nous unisse tous dans son paradis, qu'il nous fasse voir Azzawajal Dhatahu, son entité Azzawajal, son essence, le jour de la résurrection et au paradis, et qu'il nous rapproche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous donne la sincérité dans cette vie, la patience, la guérison des maladies, la santé. Et subhanak allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaykum.